Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, on va travailler la gestion des émotions, la capacité du chien à renoncer, mais surtout, on va travailler sa capacité d'écoute et son seuil émotionnel. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort très souvent et que vous vivez au quotidien. Vous savez, dès que le seuil émotionnel de votre chien dépasse une certaine limite, le chien perd un peu le contrôle et c'est là où on a des comportements un petit peu étranges ou un peu déviants. Je vous prends un exemple très concret. Vous avez votre chien qui est en laisse. Beaucoup de chiens réactifs, en fait, ont simplement le seuil émotionnel quand ils sont en laisse qui déborde, d'accord? Et résultat, on a l'impression que c'est des crocodiles, les chiens. Ça commence à partir dans tous les sens, comme s'ils faisaient une crise d'épilepsie. Hein. C'est simplement le seuil émotionnel, en fait, qui vient de déborder. On a ce cas de figure-là aussi, hein, pour du rappel, si jamais vous avez, je sais pas, un lapin qui vous passe devant, vous rappelez votre chien, le chien perd le contrôle de lui-même et donc perd l'écoute et va partir sur la poursuite. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Mais beaucoup plus basiquement, j'ai envie de vous dire, quand vous avez quelqu'un qui rentre à la maison, votre chien est extrêmement content de le voir. Il est heureux, il est joyeux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il est tellement heureux qu'il en oublie et qu'il en perd le contrôle de lui-même. Le corps ne réagit plus et résultat, il n'écoute plus. Et donc, il fait n'importe quoi. Bien souvent, la première chose qu'il fait quand on dit n'importe quoi, c'est sauter. Sauter parce qu'il veut de l'attention. Il est complètement en folie et donc résultat, boum, il va sauter. Ce petit exercice va vous permettre de travailler cela. Il y en a bien évidemment une demi-tonne d'exercices comme ça. Mais là, je vais vous en montrer un qui est vraiment très pointu, très précis pour que le chien soit toujours capable, même quand au niveau émotionnel, ça monte très haut, il soit aussi capable de redescendre très bas. Et cet exercice-là permet d'améliorer tous les exemples que je vous ai donnés juste avant. Vous mettez le chien en pas bouger. Il a ce qu'il veut le plus au monde, en tout cas maintenant, devant lui, c'est-à-dire le ballon. On va l'envoyer juste avant d'arriver sur le ballon. Je vais lui demander de ne plus y toucher. Allez, va. Pas toucher. Prends. Pas toucher. Prends. Excellent. L'idée là, c'est qu'il ne chope pas avec sa gueule. Bien évidemment, plus vous allez laisser de la distance, plus le chien est lancé, et selon le poids qu'il fait, il peut vous mettre un coup de patte dans le ballon par exemple. Ça, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'il n'ait pas la démarche de choper la balle avec sa gueule. Quand vous faites cet exercice, l'idée est de ne surtout pas tricher. Le top niveau, d'accord, c'est d'avoir un chien qui soit vraiment passionné par ce que vous allez lui proposer. Là, regardez l'attitude. Il est en train de se baisser. Il la veut, sa balle, hein. Donc, c'est que l'exercice va être bénéfique. Vous le mettez à une très courte distance. Et ça, c'est juste pour vous imager ce que je vous ai expliqué juste avant. Prends, pas toucher. Prends. La distance est suffisamment courte, en fait, pour qu'il puisse freiner, tout simplement. Pas toucher au moment où il arrive. Il ne touche pas et il ne met pas de coup de pied dedans. Et évidemment, plus il est intéressé par ce que vous lui proposez et plus l'exercice va prendre tout son sens et va lui permettre de s'améliorer. Et ça, c'est très important à comprendre. Pour le commencement, d'accord? Parce qu'il faut bien qu'il y en ait un. Déjà, vous vous assurez qu'il maîtrise le pas toucher. Donc là, vous avez un chien qui a envie d'avoir la balle, vous dites pas toucher, pas toucher. L'ordre est maîtrisé. C'est déjà un très bon point. Ensuite, il faut quand même qu'on s'assure qu'il maîtrise « prend et donne ». En gros, c'est juste pour s'assurer que vous avez bien bossé juste avant. Yos, prends, donne. Alors là, je le fais avec un ballon. Hein. Donc forcément, on aurait pu le faire avec une corde, un boudin, n'importe quoi. C'est quand même plus pratique parce que là, avant d'arriver à mettre le ballon dans la gueule, c'est pas évident. Une fois qu'on a ça, on commence à de très courtes distances. Plus il va prendre de la vitesse et plus ça va être compliqué pour le chien. Donc, on se met à très courte distance. Prends, pas toucher. Là, c'est excessivement propre parce qu'il maîtrise tout ça. Maintenant, dans l'idée, c'est vraiment de raccourcir les distances pour qu'on finisse comme ça. Vous allez aussi travailler la complicité avec votre chien. Vous avez vu un petit peu le regard, pas toucher, il se fige sur ce qu'il veut et ensuite, il détourne la tête et il regarde et il attend en fait le feu vert. Et on s'amuse et on joue et on en profite. Et là, c'est vraiment le mot d'ordre de tout ce que vous allez faire, et je vous le répéterai, je pense, jusqu'à ma mort, on joue, et c'est à travers le jeu qu'on éduque.